Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit gilet, pas si petit que ça, super sympa à faire, hein. Rapide, hein, franchement, accessible à tout le monde, même les débutantes pourront le faire. Hein. Voilà, vous pourrez le faire bien sûr à toutes les tailles, toutes les couleurs, uni, bicolore, tricolore, comme vous voulez. Vraiment très facile à faire. Et je vous fais voir le dos comme il est sympa aussi. Voilà, vous voyez, le dos est super sympa. Donc, facile. On est parti, on y va. Il n'y a pas d'excuses. Il est trop facile à faire. C'est parti. Alors, pour le modèle de mon gilet, j'ai utilisé en fait ces deux fil, comme vous savez qu'en ce moment je suis dans mes restes de pelote, hein. Ben voilà, il me restait quelques noirs, hein, quelques bleus, pas assez de bleu pour faire quelque chose, pas assez de noir pour faire quelque chose, donc on réunit les deux et ça fait un super ouvrage. Donc il me restait de l'azurite que l'on trouve dans tous les petits magasins de discount et qui moi j'en suis contente, hein. Ça va, c'est pour un petit prix, hein, c'est assez agréable à travailler. Donc 100% acrylique, hein, et j'avais de la yarn classique de alors attendez, si c'est de qui ça déjà? Je crois que c'est de la Hobby, il me semble. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc vous prenez acrylique, hein, ou coton. Après vous pouvez bien sûr faire le gilet d'une seule couleur. Si vous souhaitez que le gilet soit vraiment côté été, là c'est demi-saison, c'est pour ça que j'ai pris de l'acrylique, hein. Si vous voulez que ce soit côté été, prenez du coton, hein, voilà. Donc acrylique. Alors j'ai utilisé 3 pelotes de noir, hein. 3 pelotes de noir, donc 3 x 140 mètres, hein. 3 x 50 grammes, hein. Voilà. Et j'ai utilisé 2 pelotes bleues, 50 grammes, 150 mètres. Voilà. Et j'ai utilisé un crochet, 4,5. Voilà, pour pas que ce soit trop serré. Eux, ils préconisent du 4. Et là, du 4,5. Donc, vous voyez, je suis dans les clous. Voilà. Mais 4,5, ça suffisait largement. Donc, je récapitule. 2 bleus, 3 noirs. Pour la taille de mon gilet, bien sûr. Hein? Voilà. Donc, acrylique ou coton acrylique, comme vous voulez. À partir du moment où ça vous convient, hein. Côté technique, on y va. Alors je vous donne quelques centimètres et après je vous donnerai le côté technique, les points, les mailles et autres, d'accord. Sachant que là je vous donne les centimètres, mais le gilet entièrement fini avec le rebord d'encolure et tout, hein. Bon, donc le mien de là à là il fait 60 cm. Cette partie là 20 cm, hein. Et ici, là, la petite partie, on va dire un petit pan, 25 cm. Donc 25 ici, hein, voilà. Mais le total, 60. Voilà. Donc, et du coup, de là à là, il fait 43. Donc à vous de voir la taille que vous souhaitez faire. Je vous passe maintenant à la partie technique. Alors, avant de commencer, je vais bien vous faire comprendre, hein, techniquement un petit peu les dimensions et comment ça se positionne, d'accord. Alors on fait donc en fait ça. Alors attendez, hop, voilà, vous allez en fait faire ça, c'est à dire un demi rectangle puisqu'il n'est pas de l'autre côté, hein. Là vous avez un creux et après ce pan là vous allez en faire deux. On fera aussi des petits rangs de crochets que je vous expliquerai après. Et ce pan là en fait le but c'est de le plier en deux. Voilà, ça c'est un pan
de gilet, et après vous aurez l'autre pain à côté identique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ça, cette position, cette hauteur là et cette largeur là. Donc quand on l'ouvre et qu'on le crochette, en fait c'est savoir combien de mailles on met ici et combien de mailles on met ici. Voilà. Après, la largeur du gilet en soi, ça se fait, vous voyez, au nombre de rangs que l'on fait. Puisque quand je le plie, voilà, la largeur, elle est là. Elle est ici, c'est le nombre de rangs. D'accord ? Là, vous avez le bras et ici, vous avez le buste, le corps. Donc, c'est ici, c'est au nombre de rangs, un peu comme un top-down, hein, un raglan. C'est le nombre de rangs qui fait que vous avez la largeur du gilet. Ok ? Donc, moi, ce que je voudrais bien vous faire comprendre, c'est mettre correctement le nombre de mailles ici en hauteur et en largeur. Ok ? Pour ça, t'attends. Voilà. Alors, il y a des petites infos que vous notez. Moi, mon modèle, hein, d'accord ? Ici, j'ai fait 40 mailles. Forcément, de l'autre côté, vous faites pareil, 40 mailles. Et là, moi, j'en ai fait 13 au total. Ici, sur les côtés, alors c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Ici, sur les côtés, là, les points, c'était multiples de 2. D'accord ? Donc, vous allez faire 2, 4, 6, 8, 10, fait. Voilà. Donc, 40 est un multiple de 2. Ici, cette partie-là, donc la largeur, je vais vous expliquer, hein, parce que quand je dis largeur ici, c'est un multiple de 2 plus une maille. Donc, j'ai fait 12 plus une maille, ça me fait 13 mailles au total. Voilà. Et quand je dis cette largeur, je compte les angles. Hein. Voilà. Dans la largeur, je compte les angles. Vraiment, de là à là. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est OK. Multiple de 2 sur le côté, et ici, c'est multiple de 2 plus une maille. Bon. Ensuite, comment mettre le nombre de mailles qui correspond? Alors, hop, voilà. Là, voilà. Tout. Alors, comme je vous ai fait voir, là, après, vous avez le reste du gilet. Hein. Ici, donc, cette partie-là, d'accord, qui est de l'épaule au-dessous du bras, d'accord. Ici, de l'épaule jusqu'en dessous du bras. Ici, en fait, cette partie-là, quelque part, c'est la manchure. Voilà. Donc, moi, j'ai fait une manchure assez large, hein, comme si c'était un gilet, vous savez, un peu façon cow-boy, qui est assez lâche sous le bras. Voilà. Mais vous pouvez le faire beaucoup plus court. Hein? C'est ça, c'est à vous de voir. Donc, de là à là, c'est de l'épaule hein, en dessous du bras. Donc, faites attention. Si vous voulez, comme moi, assez lâche, vous pouvez faire un 40, voire plus. Mesurez. Prenez un mètre. Hein? Mettez-le au milieu de votre épaule. Vous le descendez jusqu'en dessous du bras. Soit vraiment à la limite du bras, soit un petit peu plus bas, selon vos envies. D'accord ? Mais ça, il faut bien comprendre. De l'épaule en dessous du bras. Ensuite, on a cette partie-là. Quand je dis largeur du bras, c'est que ça, vous avez votre bras à l'intérieur. L'épaule, elle est là. Et ici, c'est la largeur, vraiment, de votre bras, du dessous. Hein, de votre bras. Donc, moi, je l'ai fait pas très large. Je vous conseille de le faire un tout petit peu plus large. Vous mesurez en dessous de votre bras ce que vous avez envie. Vous prenez aussi peut-être un pull ou un gilet que vous avez déjà et vous mesurez. Mais faites attention parce que si ça, c'est pas assez large, quand vous allez le mettre, ça va vous gêner sous votre bras. Hein? Il n'y aura pas assez d'espace. C'est vraiment la manchure. D'accord ? Voilà. Quand, hop,
En fait, je vais vous faire un petit dessin. Ne bougez pas. Attention, ça va être un chef-d'œuvre. Quand on fait un pull, voilà. D'accord? Ici, on est à la manchure. Là, c'est assez large pour que quand on met comme ça le bras, vous voyez, hop, hop, voilà. Ça, c'est assez large. En fait, ça là, cette partie-là, ben nous, en fait, elle est comme ça, elle est carrée. Voilà. Donc ça là, cette partie de largeur, c'est cette largeur-là. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Donc faites attention à ça. Hein? Voilà. Après, en soi, c'est vraiment pas compliqué. Quand on a compris ce système-là, c'est facile. Hein? Les débutantes peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Hein? Donc je vous refais voir quand c'est bien ouvert. Voilà. Donc vous avez de l'épaule à en dessous le bras et ici la largeur du dessous de bras. Hein? Donc la manchure. Que quand on replie, je vous le refais voir. Voilà. Quand on replie, vous voyez, moi c'est très haut. Hein? Il y a pas de. Quand on replie, là vous avez le bras, les épaules, hein? Le dessous du bras. D'accord? Puisque ici il y aura une autre partie, là il y a le corps et on met les bras à l'intérieur. Voilà. Hein? Voilà. J'espère. Il n'y a que cette petite partie technique, hein? Mais après le reste au niveau du poing, vous voyez, c'est très très facile. Hein? Vous avez deux rangs de répétition, c'est tout. Et vraiment, les débutantes peuvent le faire. Allez, maintenant, on fait la construction. Alors, pour la vidéo, j'ai pris du rose parce que si je prends le noir, vous allez me tuer sur place. Hein. Vous n'allez rien voir du tout. Donc, voilà. Ouais, on va éviter. Hein, voilà. Donc, on va faire la maille chaînette. Vous me préparez deux petits marqueurs pour... ça va être utile, ce sera pratique. Alors, vous allez faire la partie, le côté. Donc, mon modèle, moi j'ai fait 40 mailles. D'accord? Moi là, c'est un tout petit, c'est pour la vidéo, hein, pour faire voir. Donc, vous allez faire la hauteur épaule sous le bras que vous avez envie. Quand ça c'est fait, vous allez, hop, ici, non, on va le faire juste après. Là, maintenant, on va faire la partie, donc là, c'est la hauteur, maintenant, on va faire la largeur. Pour moi, la largeur, c'était 12 plus 1, multiple de 2 plus 1. Donc, on fait cette partie-là. Donc, on fait la première maille pour la largeur. Vous me mettez un marqueur. Voilà, là c'est l'angle, d'accord? C'est le premier angle du gilet, de l'ouvrage. Hein? Donc là, multiple de 12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, c'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 8. 8. Donc là, j'ai fait mon multiple de 2, d'accord? Je suis à 8. Là où je compte là où il y a mon marqueur. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a dit multiple de 2 plus 1. Je rajoute une maille. Et là où je viens de rajouter une maille, c'est mon deuxième angle. Donc je mets un marqueur. Et ce que j'ai fait ici, je vais le reproduire de ce côté. Que d'ailleurs, j'ai pas compté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, et je fais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
17, 18, 19, 20. Voilà. Donc, je récapitule. Ça va se faire comme ça, en fait. Voilà. Ici. Donc là, j'ai ma hauteur épaule bras, dessous de bras. Et là, j'ai ma largeur sous le bras. Et j'ai mis les marqueurs là où il y aura les angles. Multiple de 2. Multiple de 2 plus une maille. Donc j'ai fait 20 et 20. Là, j'ai fait 8 plus 1, 9. À l'ouvrage que vous avez vu, c'est 40, 40, 12 plus 3. Mais ça n'est pas dit que ce que j'ai fait dans mon ouvrage, qui n'est pas très grand, ça correspond. Donc vous, pensez à bien mesurer vos bras, en dessous du bras, d'épaule, tout ça, la largeur. Et vous faites en fonction des centimètres que vous avez besoin. Vous vérifiez que c'est un multiple de 2, de 2. Ici, multiple de 2. Et vous me rajoutez une maille quand vous avez fini ici, comme on vient de faire. Voilà. Hein, je me répète, mais pour que ce soit, que vous ne fassiez pas d'erreur. À partir de là, on va tout simplement faire un premier rang avec une bride dans chaque maille. Donc là, vous faites 3 mailles en l'air. Ici, c'est une première bride. Je prépare mon crochet. Quatrième, à la cinquième maille, je fais ma deuxième bride. Voilà. Et à partir de là, vous me faites une bride dans chaque maille. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle. En fait, vous allez voir, c'est vraiment facile. Ça se monte tout seul. C'est super agréable à faire. Vous jonglez avec les couleurs ou pas. Moi, j'ai pris 2 couleurs, mais vous pouvez prendre 3, 4 couleurs. Régalez-vous, quoi. Voilà, c'est tellement sympa à faire. Donc là, hop, j'arrive à mon angle. Au moins comme ça, j'ai pas à compter, j'ai pas à me prendre la tête. Mon marqueur me dit, ça y est, tu es à l'angle. Donc là, ici à l'angle, dans la même maille, vous allez me faire 5 brides. Donc, 1, je reviens, 2, 3, 4 et 5. 5 dans la même maille. Et là, vous faites une bride. On reprend une bride dans chaque maille. Voilà. Donc là, je suis à mon deuxième angle. Hop. Et je refais 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je reprends ma petite ligne droite. Voilà. Et on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Et qu'on fasse la suite aussi. Voilà. Allez. Donc là, vous voyez, ça vous fait vraiment le rectangle. Pas fini, mais un rectangle. Donc, épaule, dessous de bras, largeur de dessous le bras. Voilà. Quand ça c'est fait, en fait, il y a 2 rangs de répétition. Je vais vous les faire voir juste après.
Donc là, on fait l'astuce que souvent on fait ensemble. Deux mailles, vous tournez et dans la toute première, vous me faites la première bride qui fait que ici, là, vous avez votre maille dans laquelle vous piquerez après. Hein. Une maille en l'air. Vous sautez une maille, vous allez à la suivante. Et on va faire ça tout du long. Une maille en l'air, à la deuxième, une bride. Voilà. C'est tout ce qu'on fait. Voilà. Et on va jusqu'à l'angle. Il n'y a que l'angle qui change vraiment un peu plus. Hein. Voilà. Alors, ici, voilà, vous avez votre angle. On a nos 5 brides. D'accord ? Vous pouvez mettre des marqueurs si vous voulez un début de vos angles. C'est pas gênant si ça vous pose après un problème. Là, c'est une bride qui fait partie encore de la ligne droite que je saute en faisant une maille en l'air. Je la saute, je rentre là dans mon angle. Donc je fais une première bride, une maille en l'air, je saute une maille et je suis vraiment en haut, au milieu de mon angle. Si vous regardez où je suis ici, hop, hop, voilà. Vous voyez, 1. 2, 3, 4, 5, en fait, je me mets au milieu. Voilà. Et dans cette maille-là, je fais une bride, une maille en l'air. Je reviens, une bride, une maille en l'air. Je reviens encore à l'intérieur et je fais une bride. Je fais un petit trio dans la même maille. Une maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la suivante et on repart. Tout simplement. Voilà. Là, j'arrive à mon angle. Une maille en l'air. Je suis au milieu. Et je refais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, alors je regarde si toujours petite vérification, voilà, hop, et on continue. On fait la ligne droite. Donc là, on a fait la base. D'accord ? On a fait les rangs de base. Et là, on va passer après aux deux petits rangs de répétition. Mais que quelque part, vous connaissez déjà. Voilà. Comme beaucoup, hein, c'est souvent le cas. Mais là, vous aurez les rangs de répétition au bon endroit. Hop. Et là, quand c'est tout bon, que vous n'êtes pas décalé, une maille que vous sautez, vous allez à la dernière et vous faites votre bride. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes décalé sûrement à un angle là. Hein, vous vérifiez. Voilà. Donc vous pouvez très bien mettre des marqueurs en début d'angle quand on fait les 5. Ici, non, parce que vous voyez, le milieu, on le voit très facilement. Mais là, vous pourrez. Donc, moi, je l'ai fait en bicolore. Alors, hop. Je vais prendre du fil gris. Voilà, pour que vous arriviez à... Alors, petit 1, vous aurez les rangs de répétition en couleur grise. Et en même temps, je vous fais voir pour les changements de couleur. Hein, pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Alors, changement de couleur. En fait, c'est quand vous faites le dernier point,
Hop, là, je rentre, je fais mes deux premières boucles. Là, je reste sur mon crochet. Je prends la nouvelle couleur. Je fais une petite boucle. Hop, et je fais mon jeté. Je suis censée faire. D'accord. Là, je fais un nœud avec mon gris et mon rose. On ne coupe pas le fil. Ne coupez pas le fil. Vous verrez, j'ai fait une petite astuce. Vous laissez donc la couleur. Si vous changez de couleur, si vous ne changez pas de couleur, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc là, on fait le premier rang de répétition. Donc, premier rang de répétition. Alors, 1, 2. Toujours mon astuce. Hein. Ici, je rentre et je fais... Voilà. Alors, regardez pas mon gris plus épais que le rose, mais on s'en fout, c'est pour la vidéo. Là, maintenant, on va faire que du remplissage. C'est-à-dire que là, j'ai fait dans la maille. Là, je fais une bride dans l'espace. Une bride dans la maille. Une bride dans l'espace. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que on arrive à l'angle. Voilà. Et donc, je vous disais, c'est en faisant les rangs qu'on fait la largeur. Hein? Voilà. Donc, premier rang, on remplit. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, quand on arrive à l'angle, hop, alors ici on est à l'angle, donc nous le but c'est que dans cette maille là au milieu on fasse le nouvel angle de remplissage. Donc ici une bride dans l'espace, une bride, et à celle du milieu dans cette maille là je refais 5 brides. Donc, ici, une, deux, trois, quatre et cinq. Vous voyez, dans la même maille, j'en ai fait cinq. Attention, ne me loupez pas mon espace ici. Il est un peu écrasé, hein, mais là, il y a l'espace. Hein, donc, je fais une bride dans l'espace. Une bride dans la maille et je reprends ma ligne droite classique avec une bride de partout. Voilà. Enfin, ma ligne droite. Ma petite ligne droite, puisqu'après, j'ai mon angle là. Hein, voilà. Donc, comme les angles sont assez bien formés, c'est vrai que l'ouvrage garde vraiment son côté rectangle comme ça, sans souci. Hein. Voilà, pour le coup, il prend forme tout seul. Hein. Donc là, espace, j'arrive à mon angle, je fais une bride dans l'espace, et à celle du milieu, j'en fais 5. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous servir de marqueur pour les débuts. Donc, ici, là, c'est ma première bride sur les 5. Je peux mettre un marqueur. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Et je remets un marqueur, puisqu'après quand on revient, on est dans l'autre sens. Et là, en fait,
vous avez bien délimité votre anglin. Hop, je l'ai mal mis. Voilà. Vous avez bien délimité votre anglin pour quand vous revenez, pour être pile au milieu, pour ne pas vous tromper. C'est à vous de voir. Comme je vous disais, regardez, pensez surtout à me faire celui-là, hein, l'espace qu'il y a ici. Il s'écrase, hein, regardez, moi il s'écrase tout seul. Hein. Voilà, donc pensez à le faire. Hein. Voilà. Et là, on finit, hop, tout droit. Voilà, hein. Allez, on se retrouve ici à la fin. Vous voyez, ça vous fait vraiment quelque chose de tac, 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 bien carré. Hein? Donc là, hop, ouh, pardon. Donc, ici, on va faire donc les rangs, le deuxième rang de répétition. Donc, deux mailles en l'air, on tourne, première bride. Et là, on fait comme ici, exactement pareil. Une maille en l'air, on saute une maille et on va à la deuxième et on fait une bride et on fait ça tout du long. Quand on arrive à l'anglin, on va refaire le fameux trio qu'on a fait tout à l'heure. Je vous le refais voir. Mais après, il n'y a rien d'autre de particulier. Donc là, vous voyez le fait que je mets les marqueurs ici. Je sais où sont mes angles. Voilà, hein, si ça peut vous aider. Hop. Donc là, je vais rentrer dans mon anglin. Hop. Là, j'y suis. Ça veut dire que dès que je fais ma prochaine, je suis pile au milieu. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais faire une bride, une maille en l'air. Je reviens ici. Une bride, une maille en l'air. Je reviens. Et j'ai fait mon petit trio. Une maille en l'air. Et là, voilà, j'ai fini mon angle. Une maille en l'air et je continue. Voilà. Est-ce que tout est OK pour vous? Donc, vous me continuez. Ça, on retrouve ici. Je vous fais voir la petite astuce que j'ai mis en place pour ne pas couper le fil 50 fois. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous me faites la bride, vous gardez les deux boucles sur votre crochet. Et on a dit tout à l'heure qu'on n'avait pas coupé les fils. On est d'accord? Donc, je l'ai toujours là, mon fil. Il est, ok, il est en bas. Et en fait, vous allez le faire remonter. Voilà, vous voyez, vous tirez un peu dessus. Vous faites la dernière boucle. Il ne faut pas tirer, sinon vous voyez, il y a tout qui se recourbe. Vous... Voilà, vous prenez vraiment, je vais vous faire voir, là derrière, vous voyez, vous avez la hauteur, entre guillemets, de la partie grise. Hein. Ça, vous ne touchez pas, vous faites attention de ne pas tirer dessus. Vous faites les deux premières boucles, vos mailles, et vous faites la première bride. Voilà. En fait, ici, vous avez... Voilà, un petit fil ici, d'accord? Je vous fais voir sur le mien, hop, bougez pas, tac, et tac, hop, voilà. Alors, où que c'est? Voilà, c'est là. Vous voyez, ça vous fait ça. Voilà, vous avez les petits fils, chaque fois, de la hauteur. Quand je fais changement de truc. En soi, c'est pas gênant. Vous ne vous dites pas, oh, je vais avoir des fils, ça va me gêner. Non, puisque en fait, ce sera, alors, hop, c'est la partie au niveau épaule,
D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on fera, c'est que ici, on fera un petit rang de mailles serrées, un rang de mailles serrées, et on rejoindra les deux parties, puisque c'est une partie où on fait de la couture. Hein? Du coup, ce sera pris dans le rang de mailles serrées, de rebord, qu'on fera. Et donc, vous les verrez pas, vous les verrez plus, ils ne vous gêneront plus parce qu'ils n'existeront plus. Voilà. Et ça vous évite d'avoir 50 fils à rentrer, à boucler, à avoir des nœuds. Moi, perso, ça me saoule. Donc, j'ai fait cette astuce-là. Je préfère faire un rang de mailles serrées, vite fait, en 2 secondes, et ils disparaîtront. Surtout que c'est qu'un seul côté. L'autre, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Donc, c'est pas gênant. Maintenant, si ça vous pose un problème que vous préférez pas avoir ça, ben vous coupez le fil, vous refaites les nœuds classiques de changement de fil. Hein? Voilà. Donc, oh, ils s'en mêlent. Donc là, on a fait nos 2 rangs de répétition. On est bien d'accord? Le rang plein et le rang avec les ponts. Maintenant, vous allez refaire, vous changez de couleur. Enfin, si vous faites comme moi avec 2 couleurs, si vous faites 3 ou 4 couleurs, vous changez à chaque fois de couleur comme vous voulez. Hein. Ou si vous le faites d'une même couleur, il n'y a pas de... Voilà. Donc là, vous allez refaire les rangs de répétition. On a fait 1, 2. Maintenant, vous refaites 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jusqu'à avoir la largeur que vous avez envie. D'accord? Ici, vous allez refaire celui-là. Le côté plein, je mets des brides de partout. Et ici, au milieu, vous faites les 5 brides et vous repartez. Tout simplement. C'est facile, hein? On ne peut pas faire au mieux. Hein? Voilà. Donc, vous faites la largeur que vous avez besoin. Donc, je répète, la largeur, c'est en fonction du nombre, excusez-moi, en fonction du nombre de rangs que vous allez faire. Voilà. Hein? Puisqu'après, cette partie-là, hop, voilà. Toum, toum, toum. Voilà. Cette partie-là, on la plie. Hein? C'est ça, là. Hein? Voilà. Cette partie-là, on la plie et ça vous fait vraiment la largeur de votre gilet. Voilà, enfin, plutôt comme ça. Voilà. Et là, la largeur. Hein? Là, vous avez les bras. Et là, vous avez votre buste. Hein? Voilà. Donc après, vous voyez ce qui vous convient le plus. Hein? Je vous le redis. Ici, donc je pars en biais. Hein? Enfin, comme ça. On va faire comme ça. Hop, de là à là, hop, pop, 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 pop. 27 cm, voilà, si, à titre d'info. Mais bon, moi, c'est un petit gabarit, hein, c'est un tout petit, hein, donc vous, vraiment, vous faites ce qui vous arrange le plus. Donc, vous allez me faire, donc, tout un pan, et mais vous en faites 2 identiques, bien sûr. Voilà. Et après, il y a des petites choses qu'on va faire pour le peaufiner. C'est parti! Alors, maintenant qu'on a fait donc nos 2 pans, vous voyez qu'on a replié en 2, ici il y aura les bras, là ce sont les épaules, et là il est censé y avoir donc le cou, le torse et tout. Et techniquement, il y a un petit souci, c'est que on va faire de la couture ici, ici, au niveau des épaules, et bien sûr, hop, ici au milieu, on est bien d'accord. Mais quand je rabats mes 2 pans, il n'y a pas l'espace pour l'encolure, vous voyez? Donc il va falloir créer en fait un espace, ici, là, au milieu, pour créer, vous voyez, cet espace-là où on fait, où on va faire l'encolure, où vous allez mettre le cou, et on fera un rebord qui fera le tour du cou et sur les côtés, comme un gilet classique. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est ici, faire des rangs supplémentaires, des allers-retours, pour
combler cet espace-là qu'on a besoin. Donc, on va voir ça ensemble. Donc là, vous allez prendre un pain. Vous allez prendre un côté, quel qu'il soit, hein, celui-là ou celui-là. À partir du moment où c'est le bon côté, c'est-à-dire que la partie des bras est de ce côté. Hein, voilà. Hop. Et en fait, on va tout simplement, ici, au lieu de faire le rectangle, on va faire aller, hop, retour, aller, retour. Et vous allez faire ici une épaisseur en fonction de l'encolure que vous avez envie d'avoir. Hein? Donc on va faire ensemble un aller pour que vous sachiez ici où c'est qu'on s'arrête et comment on s'arrête. Et après, au retour. Cette partie-là, vous pouvez la faire d'une seule couleur, si vous voulez un petit peu d'originalité. Par exemple, pour moi, tout bleu ou tout noir. Ou vous pouvez continuer à faire bleu, noir, bleu, noir. Hein? Si vous avez fait uni, bon, ben là, le problème ne se pose pas. Ce sera vite fait. Hein? Allez, c'est parti. Alors, voilà, pour ma part, je suis sur ma phase du rang noir et le rang plein. C'est plus facile, hein? Vous finissez, entre guillemets, votre gilet, hein, si on peut dire, avec le rang à arcade. Et la partie, donc, pour créer l'encolure, vous la commencez avec un rang plein. C'est quand même un peu plus facile. Donc là, quand vous arrivez ici, alors, que ce soit avec le rang plein ou le rang arcade, hein, avec les espaces, quelque part, vous vous arrêtez au milieu, ici, de l'angle. Donc, si c'est le côté plein, vous vous mettez ici à la bride du milieu. Donc, 1, 2 à la troisième. Si c'est avec l'arcade comme moi, c'est, ben là, c'est facile, c'est celle du milieu. Donc là, vous faites celle-ci, bien sûr. Vous faites l'espace. Et vous faites la dernière maille au milieu. Voilà. Et vous voyez, quand on relâche, hop, ça fait la continuité. Il ne faut pas que ce soit trop de ce côté, mais il ne faut pas que ce soit ici non plus. Il faut que ça reste droit de ce côté. Donc après, ben, vous allez faire le retour comme pour les arcades. Hein, c'est-à-dire ça, les deux mailles en l'air, comme quand on débute, hein. Hop, pour ceux qui font l'astuce. La première bride, bien sûr. La maille en l'air. Vous voyez, on est ici. Et quand je fais ma bride, on est toujours au même endroit. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage, on est bien d'accord. Maille en l'air. Et la bride. Voilà. Vous remarquez que ici, toutes les brides se suivent. Et là, vous voyez, je suis sur la bride. Impeccable. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage au niveau des arcades. Hein. S'il y en a un, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, vous allez faire aller-retour. Je vais vous dire moi combien de rangs j'ai fait donc supplémentaires pour faire ce petit écart. Il ne faut pas immense non plus. Hein. À vous de voir si vous voulez jongler avec les couleurs ou pas, comme je vous disais. Et je vous dis ça de suite, mes nombres de rangs. Et vous verrez si ça vous convient ou si vous faites un peu plus grand ou plus petit, suivant. Hein? Voilà. Sachant que on fait le rebord. Hein? Pensez qu'on va faire le rebord comme un gilet. Le rebord ici qui passe derrière le cou et qui revient. Hein? Voilà. Et aussi, si vous le souhaitez ou pas, un rebord en bas qui fait le tour de la taille. Voilà. Après, les rebords, ça appartient à chacun. On en fait ou on n'en fait pas. Hein. Allez, je vous dis ça de suite. Voilà, j'ai fait moi un petit surplus. Donc, le bleu va avec le bleu. Et donc, tout ça, c'est mon surplus. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez faire 10 hein, si vous voulez. Et moi, j'ai continué à alterner pour que ça se fonde
dans le gilet, qu'on ne voit pas de différence. Mais après, si cette partie-là, je l'avais fait toute noire ou toute bleue, ça pouvait faire aussi joli dans le dos. Hein. Ça se calcule. Hein. Voilà. Donc, moi, alors comme c'est un petit gilet, il y a une petite, ici, un surplus. Suivant la taille, vous le faites quand même plus grand. Hein, voilà. Ou plus petit, si c'est pour un enfant ou autre. Voilà. Donc, à partir de là, on va faire les coutures. Donc, je remets en place et je reviens de suite. Donc là, maintenant, au niveau couture. Alors, soit c'est une aiguille à laine, soit c'est avec le crochet. Hein. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, où c'est que c'est, voilà. Ici, donc, alors, au niveau couture, bon, déjà que ce soit bien clair, au niveau couture, vous allez faire la partie épaule, donc là où ça s'arrête, hein, partie épaule, hein, ici, pareil, partie épaule, hein, après, ce qui restera ici à coudre, hein, et tout le milieu, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de couture en soi, d'accord, hein, regardez, hop, voilà, épaule, hein, épaule de l'autre côté et le milieu, puisque le reste, ça se fait tout seul. D'accord? Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est ici, comme je vous avais dit, on va faire un rebord de mailles serrées. Voilà. Pour que il n'y ait pas de... Déjà, par rapport à ces petits fils, comme je vous disais, et pour une facilité aussi de couture. Voilà. Donc ici, sur... le rebord ici là, celui-là, et ce rebord là, on va faire un petit rang de mailles serrées ici et ici, d'accord? Donc du coup, vous accrochez à un angle. Là, je suis à la partie où il y a tous les petits fils. On va en profiter, on va enfermer tous ces fils qui traînent en même temps, et là on fait une maille serrée. Donc là, vous voyez, hop, j'essaye de bien, voilà, là j'ai fait une maille serrée. Maille serrée dans l'espace suivant, hop, ici dans le tout petit, et on fait des mailles serrées un peu partout, voilà, et en même temps j'enferme, donc là, hop, voilà, j'enferme mes fils en même temps, vous voyez, j'enferme tout, les fils qui traînent, les petits fils qu'il y avait sur le côté, tout simplement. Voilà, vous voyez? Hop. Et voilà, tout simplement. Et vous voyez, j'enferme tous mes petits fils. Donc, une maille serrée dans chaque petit espace. Voilà. J'enferme les fils qui traînent. Et les petits fils de rebord, voilà, tout simplement. Hein? Allez, c'est parti. On fait ça sur ce rebord là et sur l'autre aussi. Allez, et sur les deux pans forcément. Alors, vous avez fait des coutures, donc pensez à mettre vos ouvrages là, c'est joli contre joli, donc à l'intérieur. Donc j'ai fait, donc comme je vous disais, cette partie-là, j'avais fait les mailles serrées sur les rebords. Hein. Ici, pareil. Voilà. Là, vous voyez, il y a le rebord de mailles serrées. Du coup, au niveau couture, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'ai fait des mailles serrées. Hein. Et après, vous faites la couture qui fait donc tout le long. Ici. Voilà. Et quand ça, c'est fini, vous mettez tout à l'endroit. Voilà, ce qui vous donne les manches de chaque côté, identiques bien sûr. Ici, vous avez votre encolure, voilà. Et de l'autre côté, voilà, ça vous fait une continuité. Impeccable. Voilà. Moi, c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a qu'un rang de noir.
Mais si vous en avez fait deux, c'est une continuité, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Donc, hop, du coup, on rentre tous les fils qui traînent à droite, à gauche. Hein, et alors, soit ici, à cette partie-là, soit vous pouvez faire un rang de mailles serrées, donc qui part de là, qui fait la partie du dos, bien sûr, ici, hop, la partie du dos, tac, vous revenez, et après, vous faites la continuité, ici, voilà. Alors, soit en maille serrée, soit en demi-bride. Hein. La demi-bride, c'est joli aussi, ça fait des petits rebords assez sympas. Par contre, là, vous faites qu'un rebord, qu'un rang. Sur la partie basse, vous faites qu'un rang. Et ici, sur les côtés, c'est-à-dire après, vous allez faire ça, revenir, et vous repartez, vous revenez, vous repartez, vous revenez. D'accord? Jusqu'à ce que, pour vous, au niveau des rebords, soit ça ne se croise pas parce que vous avez envie qu'il y ait une petite ouverture sympa, soit vous faites un grand rebord. Vous pouvez le faire en bride. Hein? Voilà. Soit maille serrée, demi-bride ou bride. Ça, c'est au choix de chacun, cette partie-là. En bas, moi, je vous conseillerais ici demi-bride. Et quand là, on est là, vous pouvez très bien faire bride ou demi-bride. Et vous faites l'épaisseur pour faire le rebord. Et là, ça vous fera aussi un petit col sympa. Hein? Voilà. Allez, on fait ça. Voilà, au niveau donc du rebord, j'ai fait deux rangs de demi-bride. Voilà, et ça vous donne ça. Voilà, un petit rebord. Moi, mon but, c'est pas que le gilet se ferme. C'est un gilet qui reste ouvert. C'est pas le gros gilet d'hiver, quoi. Voilà, hein, c'est demi-saison. Après, à vous, si vous le souhaitez, de faire un peu plus large. Il n'y a pas de souci, comme je vous expliquais tout à l'heure. Pour ceux qui souhaitent mettre des boutons, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, imaginez donc que vous êtes sur le rebord de votre gilet et vous souhaitez faire une boutonnière. Alors, que ce soit en maille serrée ou en demi-bride, c'est pareil. Voilà. C'est-à-dire que suivant la taille de votre bouton, alors le nombre de mailles que vous allez sauter est en fonction du bouton, la taille du bouton que vous avez. D'accord ? Donc vous faites des essais avec votre bouton. Prenons l'exemple avec 3 mailles. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous sautez 1, 2, 3 mailles. Vous allez à la quatrième et vous faites votre maille serrée. Donc vous voyez que ça, c'est en fonction vraiment de la taille de votre bouton. Voilà. Ensuite, vous continuez à faire votre rang hein, jusqu'à la fin du rebord de votre gilet, bien sûr. De là, vous revenez, on est d'accord. Donc imaginez comment je reviens. Voilà. Vous faites donc un nouveau rang. Parce que cette boutonnière, il faut la solidifier, puis bon, qu'elle soit aussi jolie. Et tout simplement, une boutonnière, c'est vraiment facile. J'ai fait 3 mailles en l'air. À l'intérieur de l'espace, je fais 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et je continue mon rang, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez une boutonnière solide, jolie. Voyez, et facile, en 2 secondes, vous faites des boutonnières et vous en faites autant que vous avez besoin. Attention, toujours en fonction de la taille de votre bouton. Si votre bouton est très gros, vous augmentez le nombre de mailles en l'air que vous faites. Si vous en avez besoin de 5, vous faites 5 mailles en l'air, vous sautez 5 mailles et à la sixième, vous faites votre maille serrée. Si c'est plus petit, ben vous faites 2 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles, à la troisième, vous faites votre maille serrée. Il n'y a pas plus simple. Hein? Voilà. Petite boutonnière. Donc, à vous de voir au niveau de votre rebord ce que vous souhaitez faire.
voilà, bah écoutez, votre gilet, il est fait. Vous pouvez très bien faire aussi un rebord là, mais moi je trouve que perso, pas spécialement besoin. Le rebord a été fait ici, vous voyez, hop, et aller retour pour faire l'encolure boutonnière ou pas. Et bien voilà, votre gilet, il est fait, rapide, sympa à faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, appuyez sur le petit pouce. Et puis, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Venez me rejoindre sur Instagram, vous avez le lien en dessous. Vous avez plein de liens dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Je vous dis à très vite, je vous embrasse très fort et à la prochaine !